Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios, la 16.fr, la radio RDC.fr. Toujours un réel plaisir de vous retrouver pour vous divulguer mon pronostic épique. À l'heure où je vous fais la vidéo pour notre mercredi 10 mai, je ne sais pas encore comme d'habitude l'arrivée de notre KT, parce que maintenant les arrivées de KT c'est à 18h. Merci pour les retours de commentaires que j'ai eu sur ma chaîne YouTube, même si je vous avais fait un peu peur hier, c'est un peu normal. J'ai l'âme d'être un pronostic dans l'âme et dans ma passion, et le but du jeu également c'est de vous faire gagner le plus souvent possible, même si en ce moment les arrivées sont pas faciles du tout à trouver. Et je rebondis sur le KT de notre mardi, le 1 était non partant, mais à l'heure de la vidéo que j'avais fait hier, il n'était pas non partant. Donc après vous remontez la petite ficelle bien sûr, et à l'heure où je vous parle de la vidéo à 16h dans ces eaux-là, il y a 5 non partants pour notre KT. Au lieu de 16 partants, ça va être 11 partants. Mais où va-t-on? Bientôt, on va faire des KT à 8 chevaux. Non mais quoi? Allez, sur ce, on verra l'arrivée du KT et on en reparlera dans la rubrique communauté de ma chaîne YouTube. Alors, pour notre mercredi 10 mai, notre KT aura lieu sur l'hippodrome de Fontainebleau, réunion à course 8. Pareil, départ à 18h. 16 au départ, et là c'est une très très courte distance, 1200 mètres, donc un peu comme aujourd'hui, j'ai parti avec des chevaux en vue. Après j'ai fait des petits coups de folie, dont la troisième place au niveau de ma sélection, c'est pas le cheval de tout le monde dans une sélection, voire pas du tout, mais pourquoi pas. C'est parti, j'ai bien sûr placé en tête de ma sélection le 5 Drogo, mon cheval du jour pour ce KT. Il adore cette piste, c'est un solide point d'appui pour vos jeux. Je lui oppose le 14 Leaning Up, ce sera mon opposition à mon cheval du jour. Attention à elle, vient de prendre deux très très belles places. Le 16 Goodfried, je tente un gros coup de poker pour notre KT, pour notre mercredi. Pourquoi j'ai mis ce cheval en troisième base? Parce que sa joquette, regardez bien le nom de la joquette dans la presse épique, vient de gagner un très très beau KT il n'y a pas si longtemps que ça. Et je la suis également depuis très très longtemps. Donc le 16, Goodfried. Le 15, Suite d'Amania, sera mon très joli coup de cœur pour ce KT, a le droit de venir prendre une belle place. Mes 4 bases, le 5, le 14, le 16 et le 15. Le 16 et le 15, je les mets vraiment très très haut dans ma sélection. Allez voir la synthèse de la presse, vous allez voir. Le 6, Talaski, attention à lui pour une belle place. Le 2, que j'aurais pu mettre plus haut, mais j'ai fait un choix. Glory of Rome vient de prendre une belle troisième place, j'y crois beaucoup. Le 7, Glicourt, bon coup de folie, je termine ma sélection par le 13. Et Kilo, qui sera mon coup de poker. En cas de non partant, le 3, c'est pareil. Si j'ai pas le temps de corriger la sélection, bah vous remontez, hein, vous êtes habitué maintenant. Alors mes deux bases, le 5 et le 14, bon très joli coup de cœur, le 15, mon coup de folie, le 7, et mon coup de poker, le 13. Mes 2 sur 4, le 5, le 14 et le 16, mes couplets gagnants placés, le 5, le 14, le 16 et le 15. Je répète, ma sélection sous forme de très très gros coup de poker, mais c'est 1200 mètres, mes amis, c'est une ligne droite. Le 5, le 14, le 16, le 15, le 6, le 2, le 7 et le 13. Voilà, c'en est terminé pour ma sélection. Vous retrouvez-le bien sûr sur la radio, la 16.fr, sur la radio RDC.fr. Encore une fois, merci pour tous les commentaires que j'ai reçu sur ma chaîne YouTube, cela me fait vraiment très plaisir, et je me répète un peu comme au début de la vidéo, bientôt avoir des KT disputés avec 10 ou 9 chevaux, mais ça c'est du vraiment n'importe quoi, ça c'est mon avis, 5 non partant dans un KT, personnellement ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu ceci. Petite parenthèse aussi, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma deuxième chaîne YouTube, la chaîne des seniors. Le lien est en dessous de la description de la vidéo pour ceux qui veulent apprendre pas mal de choses au niveau informatique et avec des logiciels entièrement gratuits. Ça, c'était la petite parenthèse. Ça peut aider pas mal de gens, je pense, au niveau senior pour s'initier à l'informatique et aux mails et tout ça. Fermons la parenthèse. Sur ce, mes amis, on nous dit qu'on est en période de sécheresse. Et où va-t-on? Dimanche, il a plu toute la journée dans les Hauts-de-France, et aujourd'hui, c'est même pas la peine. Il faut dire qu'on est bientôt au niveau des sacs de glace. Hein, donc voilà. Allez, sur ce, belle vie pour les supporters en ce moment. On croise les doigts, encore 4 matchs, on y va tout droit. Allez, à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ansois, le Pharaon, les courses!